Bon matin à tous les gens, un français de PFL pour vous servir, bon, pour vous mettre au courant du coup de ma vie. Aujourd'hui du coup on est le 5, ma montre dit des conneries. Donc nous sommes le 5 août, demain nous serons le 6 août normalement, c'est ça. Et comme vous l'avez vu dans le titre, demain va être mon premier examen de la session d'été. Donc je commence par algèbre linéaire, avancée 2. Alors, c'est entre guillemets l'examen que je redoute le plus sur le moment, donc beaucoup plus que l'analyse. Voilà. Contrairement au premier semestre où c'était vraiment plus l'analyse où j'avais du mal, là c'est vraiment plus l'algèbre. Donc bon, j'ai quand même bien révisé, j'ai beaucoup bossé les chapitres où je ne m'y connaissais vraiment pas. Donc notamment hier, j'ai beaucoup bossé sur les formes normales de Jordan, où je comprenais vraiment que dalle, mais maintenant c'est bon, j'ai mis du temps, mais je crois que j'ai compris à peu près tout ce que je devais encore comprendre. Voilà, j'ai peut-être pas encore beaucoup d'entraînement, mais bon, on va croiser les doigts et puis on va improviser. C'est comme ça que ça marche de toute façon. Aujourd'hui j'ai fini aussi, enfin j'espère avoir fini tous les chapitres sur les entiers que je déteste, donc bon, on prie pour qu'il n'y ait pas ça demain. Et puis voilà, sinon je suis pas extrêmement stressé, bizarrement, ça va. J'arrive à me contenir, donc tranquillement, je souffle, je me dis, voilà, ça sert à rien de stresser, faut juste que, bon, c'est possible que du coup il y a plein de trucs que je sache pas faire, voilà, tant pis, c'est comme ça, mais bon, je me dis, si tu te concentres, si tu fais marcher ton esprit au maximum, du coup demain, bah, ça pourra compenser une partie, et du coup tu pourras trouver des réponses que tu n'aurais pas trop en temps normal, donc bon. Pour l'instant, ça a bien marché ce genre de théorie, ce genre de stratégie. Donc j'espère que ça va continuer à marcher. Donc bon, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ouais, ça va en vrai, je suis relativement cool pour l'instant. Le reste de la session, ça va être un peu différent quand même parce qu'il y a beaucoup. Il y a des matières que j'ai quasiment pas révisées du tout, donc notamment la physique. La physique, on a encore du temps. Donc les preuves de physique est dans 2 semaines et demie, presque. Mais c'est vrai que j'ai vraiment révisé une heure, vraiment, donc je n'exagère vraiment pas, j'ai révisé une heure entre aujourd'hui et puis genre la fin des cours, même avant la fin des cours. Donc va falloir que je taffe quand même un peu pour rattraper tout ça. L'analyse du coup, qui est le prochain examen lundi, on a beaucoup de preuves à apprendre par cœur en analyse, et du coup il y en a pas mal encore que je comprends pas, enfin que je connais pas par cœur, donc des preuves vraiment, vraiment sales. Vraiment pas très 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 funky, vraiment imbuvable même dans certains cas. Donc notamment théorème de Cauchy-Lipschitz, version locale, théorème d'inversion locale, une partie de théorème d'inversion locale, mais voilà, c'est déjà pas cool. Des conditions nécessaires pour des extrêmes alliés, bref, que des conneries. Donc c'est des preuves vraiment imbuvables. Et c'est surtout le genre de preuve où tu peux pas improviser, c'est ça que j'aime pas. Donc il faut vraiment genre avoir la bonne idée, poser la bonne fonction, et parce que si t'as pas posé la bonne fonction, bah du coup ça sert à rien. Il faut poser une fonction, l'étudier, donc étudier différents trucs, est-ce qu'elle a un point fixe ou pas, j'en sais rien, et du coup à partir de ça t'en déduis ton théorème. Mais si tu t'oublies vraiment la fonction qu'il faut poser, bah bon, c'est un peu dur de la retrouver des fois, donc t'es dans la merde. Donc, faut que je bosse encore ça, j'ai encore quelques jours, ouais, j'ai vendredi le week-end pour bien me souvenir de tout ça, et puis, en principe, ça devrait passer l'analyse. Ensuite, j'ai géométrie. J'ai quand même bossé jusqu'à là, mais encore beaucoup de parties où je suis pas super à l'aise, il y a des mouches qui m'embêtent. Mais bon, au pire, c'est la géométrie, voilà. On espère que l'examen sera pas aussi dur que des séries, et normalement, ce sera pas le cas, donc on est bon. Et ensuite, on a un examen de prog. Voilà, donc on a un examen de prog qu'on n'a pas eu pendant le semestre. On devait en avoir deux écrits, mais du coup, là, on n'aura qu'un pendant la session. Et je n'ai pas révisé du tout, mais je ne pense pas que j'ai énormément révisé. En vrai, tout ce qu'on a pris pendant le projet, je pense que ça m'a bien suffi pour genre un bon moment. Je vais revoir deux, trois détails techniques si jamais, mais bon, en vrai, ça devrait le faire. Et je vais faire 2-3 sujets quand même pour m'entraîner parce que c'est beau de savoir son cours, mais aussi il faut savoir l'appliquer. Et du coup, je sais qu'il y aura sûrement des questions de merde, du genre
voici ce code, c'est quoi l'output du code, qu'est-ce que ça sort comme résultat. Et du coup, tu es obligé de faire le code dans ta tête et c'est dégueulasse parce que normalement, tu as une machine pour le faire, mais non. Voilà. Donc, bon, c'est con, mais voilà, je dois quand même m'entraîner pour faire des trucs comme ça. Et voilà, donc ça va être genre c'est ça l'avant-goût de ma session d'examen. Donc qui va se dérouler en 2 semaines et demie à peu près. Donc demain on commence, on est le 6. Et ça va finir le 20 août. Donc ça va être une session voilà, donc pas trop courte, pas trop longue. Donc ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être plus court, mais en vrai je suis content d'avoir voilà, 2-3 jours à chaque fois entre chaque examen pour bien me poser, réviser la suite. Donc je suis plutôt content. Donc ouais, j'ai rien à dire de plus. Comme vous avez peut-être vu là, j'ai essayé de changer mon décor, j'ai un canapé dans ma chambre depuis quelques temps et du coup j'ai essayé de filmer dans ce canapé. Je ne sais pas si ça se trouve c'est bien, si ça se trouve c'est pas bien, vous me direz ce que vous en pensez. Et sinon, bah, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à vous dire, donc je vais vous laisser. Bonne soirée à vous, bonne soirée, il est 16h. Bonne soirée à vous et puis à la prochaine, allez, ciao.